Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou! Je vais vous montrer un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs le jeu qui pompe énormément de place, 20 gigas au moins. 21 gigas, c'est énorme. C'est à cause de lui que j'ai dû désinstaller certains jeux comme Smite et Rocket League. Qu'est-ce que j'ai encore archivé? Et Paladin. C'est à cause de ce jeu-là, parce qu'il prend trop de place. Donc quand j'aurai terminé, il y a des chances que je l'archive, pas désinstaller, l'archiver. Quand j'aurai vraiment... Attention, ce jeu-là, j'y joue vraiment tranquillement dans mon coin, je ne ferai pas de gameplay dessus. Ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais je vais pas faire de gameplay dessus. Ça, je vous le dis déjà. Excusez-moi, j'étais occupé à régler un problème. J'avais oublié d'activer mon enregistreur pas mon enregistreur de voix, de voix, mais mon minuteur. Donc j'ai reculé d'une minute, puisque j'avais complètement zappé. Donc voilà, on est sur Black Sad. C'est un jeu que je trouve génial. C'est vraiment stylé. Donc ça c'est une personne pendue, hein. C'est pas voilà, c'est spécial, l'écran titre est assez spécial j'avoue. C'est assez cocasse. Alors apparemment ce jeu détient des bugs. Bon, jusqu'à maintenant il a eu qu'une fois planté le jeu, mais sinon à part ça, ça va. J'ai pas eu trop de soucis. C'est vrai que les chargements sont pas non plus les plus moins longs du monde. Ça dure un petit peu, mais ça va. C'est pas ultra long de la mort qui tue non plus. Ça va, sincèrement pour moi, j'ai pas de soucis. Il me plaît bien ce jeu, il est génial. Je l'adore. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le faire découvrir. J'aurais préféré pouvoir incarner plutôt Willy, le furet là. Une sorte de bison, furet, je sais pas quoi. Je pense que c'est une sorte de furet, ou un renard, je sais pas. Je pense que c'est une sorte de fouine ou de furet en fait. Mais voilà, en bref, j'aurais celui-là qui fait des photos, la photographe. Je le trouve trop stylé. Donc voilà. C'est vrai que je trouve le design de Black Sad pas ouf. Parce que ça fait justement humain et avec une tête de chat. C'est pas ouf. On critique le film du film 4, mais regardez la gueule de Black Sad. Ah, il vous montrait. Regardez, il est magnifique, hein. Ouais, attendez, est-ce que je dis ça, mais... Ah, oh, mon Dieu, il est magnifique, hein. Regardez la gueule qu'il a. C'est un peu dommage, ils ont fait un mélange entre une tête humaine et une tête d'animaux. Je trouve pas ça ouf, en fait. C'est pas très beau, sincèrement. Et pourtant, par exemple, Weedle, j'arrive pas à le dire correctement, le furet, lui, il est bien fait, il est beaucoup mieux fait que Black Sad. Après, j'aime bien quand même Black Sad, il est sympa, hein, mais je le trouve pas non plus beau gosse, enfin, je le trouve pas très bien, quoi. Et pourtant, dans le film, enfin, non, dans la BD qui propose, qui existe de Black Sad, j'ai l'impression qu'on le voit plus que chat en fait, mieux fait, mieux anthropomorphisé, que il fait beaucoup plus chat que ce qu'on voit là quoi. À part ça, c'est juste ça, mais ça c'est mon point de vue, je suis un emmerdeur. Mais sinon voilà, donc bien sûr, dans le jeu, j'ai avancé quand même un bon moment, pardon, excusez-moi monsieur, désolé du dérangement. J'ai avancé pas mal d'avancement, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais... Enfin si, j'ai terminé le jeu, mais ça je le fais comme j'ai dit chez moi quoi, tranquillement. Donc du coup ici, je sais pas quoi faire. Enfin je vous montre, mais j'ai rien d'autre à faire. Alors comme un con, j'ai énervé le singe.
Parce que j'ai été fouiné dans ses, dans son truc, dans son casier en fait. Du coup, il est fâché. Il est vraiment très fâché. Donc, du coup, apparemment, on était popped. Mais j'ai envie de dire, d'accord. Mais qu'est-ce que j'en savais, moi, qu'ils étaient popped? Je connais pas la série en fait, du tout. C'est une découverte ce jeu. Donc, du coup, j'étais pas au courant que lui est le singe. Donc, le gorille était pote en fait. Et du coup, j'ai fouillé dans ses affaires. Et j'aurais pas dû en fait. Vraiment, oui. Par contre, là, y a un beau renard, je vais vous montrer. Ah non, attendez, je me suis. Ah non, 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 c'est bien là. Merde. Je pensais que je m'avais trompé, mais non, non, non. Eh ben, on recommence, comme un imbécile. Olé! C'est parce que c'est sombre en fait. Ah merde, on sait pas. Bon, bref, vous voyez là, je pense que c'est une photo avec. Il y avait un renard dessus, il me semble. Un renard trop stylé. J'adore. Voilà. Du coup, bah, je pense que par là, on peut pas aller. Hein. C'est pas possible. Non, voilà, je peux pas aller plus loin. J'ai déjà résolu quelques trucs. Enfin, j'ai déjà lié quelques idées. Donc, quelques idées, ça veut dire ça, en fait. Hop, vous faites ça. Vous appuyez sur ça. Il réfléchit. Et en fait, il faut trouver le bon truc. Bon, moi, je me casse pas le cul, hein, au pire. Oula, il y a des encalmements. Ce que je m'amuse à faire, c'est ça par exemple, ou par exemple, hop, ça. Bon, là, j'ai pas fait exprès, j'ai fait au pif. Mais habituellement, ça refuse et je recommence à chaque Et si la fois et. combinaison du coffre était la date de naissance de Marie? Yes. Bon, là, je vous jure que j'ai fait ça au pif. C'est pas une blague. Je m'y attendais pas. C'est un hasard. Mais en vrai, si vous voulez. Le truc c'est que quand j'y arrive pas, il y a une technique simple, c'est la technique de gros feignasse.inc. Vous prenez un truc écrit au hasard, ce que vous voulez. Et après ça, vous appuyez juste sur jeter pendant, voilà, par exemple ça. Vous allez au-dessus, vous prenez ça. Ça refuse, pas grave, on recommence, hop. Et vous reprenez ainsi de suite, hop, jusqu'à temps que ça marche. Vous avez compris la couille? Oui, c'est le mode gros fainéant qui veut pas chercher, quoi. Et ça marche, hein, parce que de toute façon, vous pouvez pas tromper. Si ça marche pas, il refuse, vous voyez. Donc, on dit que le jeu est chiant ou quoi, je sais pas, mais non, en fait, ça va, on peut tricher. Oui, je trouve du cheat partout, moi. Voilà comment cheater dans Black Sad. Bon, après, c'est un peu long, mais je veux dire. Au bout d'un moment, ça doit fonctionner, non? On va tester le dernier. Hop. Non, voilà. Vous voyez, là, ça marche pas. Mais ça veut dire que le truc n'est pas compatible du tout avec aucun des trucs pour l'instant. Au moins, où vous savez que, ou pas, que ça marche pas. Mais voilà. Voilà comment je fais. J'ai fait pour certains parce que j'étais un peu. Ouais, je me dis. Certains, j'ai trouvé. Je me dis, ah, ok, c'est peut-être ça. Ça marche. Mais d'autres, j'étais en mode, ok, bah, je vais spammer comme une grosse connasse. Et faire comme ça. Voilà comment j'ai fait dans le jeu. Donc, sinon, c'est un super jeu. Moi, j'aime bien. Il est sympa ce jeu. Top cool. Ah, oui, je vais vous montrer un truc qui est stylé. Je pense que c'est dans progression. Hop. Regardez. En fait, depuis le début, vous avez tous les trucs ici. Au pire, je vais vous le passer si vous voulez. Hein. Hop. Hop. Voilà, donc au début, ça fait ça. Et en bref, vous avez une bande dessinée au fur et à mesure qui avance. Selon les choix que vous avez faits, en fait, ça fait ça. Attention à ne pas regarder si vous voulez pas être spammé. Mais ça, c'est à vous de pas regarder. Vous lisez pas, c'est tout. Hein, c'est pas compliqué. De toute façon, pour le reste, voilà. Et du coup. Voilà quoi, c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Voilà, là vous avez sur le côté notre ami petit coquinou
Et voilà. Et en fait, ça vous, cette technique-là vous permet de recommencer. Par exemple, vous voulez recommencer pour recapturer lui, enfin l'aider, ben, vous pouvez appuyer pour recommencer cette scène-là. Bon, moi, je ne vais pas la recommencer, mais vous appuyez, vous la recommencez, et du coup, ça permet de tout simplement refaire la scène si vous voulez la refaire pour changer d'avis et changer d'opinion. Donc, sincèrement, je ne comprends pas les gens qui disent que c'est de la merde. Moi, je trouve que le jeu est bien, parce que moi, j'ai compris le principe du jeu. Donc voilà, c'est bien. Bon, je suis un peu fainéant, donc je vais pas le faire. Et comme j'ai dit, acheter le jeu au pire pour tester. Il est à 15 euros là. Après, je sais plus s'il l'est toujours, mais sur le store, si vous pouvez télécharger et que vous avez assez de place, vous avez une carte de 128 Go ou 256 Go sur votre Nintendo Switch. Bah, bien sûr, ça va pas être autre part. Hein. Ça va pas être sur votre GFN, MDR, XPTDR ou DR. Bah, du coup, téléchargez-le, ça vaut le coup de tester si vous aimez bien les point and click, parce que c'est une sorte de. Enfin, c'est pas point and click, mais c'est ça s'y retourne un peu. C'est une sorte de aventure QTE à la Jazz Bank pour faire des ennemis. Moi, ça me fait penser à un point and click, quoi. Enfin, c'est pas un point and click parce que c'est pas une souris, mais du coup, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu. Il me semble que le point and click fait un peu partie des décesseurs de celui-ci, quoi. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Et d'autres jeux, en fait, c'est ça. Hein. C'est un Wou Wou coquin. C'est celui-ci. Je vais vérifier combien de temps il me reste. S'il me laisse assez de temps, je vais vous montrer. S'il me reste pas assez de temps, je vous montre pas. Avec 3 minutes, ça va être chaud quand même. Mais il y a peut-être moyen, attendez. Avec 3 minutes, il y a peut-être moyen d'y arriver. Je quitte le jeu et c'est bon. C'est juste pour vous montrer le début, hein. Je vais pas vous montrer tout le jeu. Alors, accueil, ouais. Chargement. Bon, là, je présume que je peux quitter. C'est ce que je me suis dit la dernière fois parce que je suis resté bloqué au truc pendant 10 000 ans. Voilà, on va lancer le Wou Wou Aventure. Voilà, je vais vous montrer ce petit jeu magnifique. Voilà, je laisse l'intro, hein, c'est le but. C'est ce deuxième jeu à quel je joue. Pareil que que Black Sad. Celui-là, je ne ferai pas d'aventure suivie dessus. Je ne ferai pas de gameplay. Là, je vous montre comme ça, mais je ne ferai pas de gameplay sur ces deux jeux-là. Parce que j'ai envie d'y jouer en solo, tranquille, dans mon coin. C'est des jeux que j'ai envie de savourer dans mon coin. Et pas de commencer à me casser le cul à faire ça sous vidéoprojecteur. Donc du coup, je suis désolé, mais c'est non. Ça, je ne vous le ferai pas en let's play commenté. Au moins ces deux jeux-là. Pour les autres jeux, c'est faisable. C'est prévu même. Pour le truc café, pareil. Pour le Pokémon Café, je vais vous faire des petites vidéos dessus. Pour le truc de Pokémon, je sais pas quoi, bah, c'est pareil. Regardez un Wou Wou tout mignonneté. Vous pouvez me faire qui balance sa queue. Non, non, ça c'est aboyer. Non, non, ça c'est sauter. Voilà. En appuyant sur X, c'est ça? Ouais, X. C'est ça, X. En appuyant sur X, vous balancez votre queue arrière. Pas devant, bande de coquinous. On se calme direct. Et celle et Y, vous aboyez. Ah non, c'est pas Y. C'est B? Non, c'est pas B. C'est A alors. Oui. Donc en appuyant sur A, vous aboyez. En appuyant sur B, vous sautez. En appuyant sur Y, ça fait rien du tout. Et en appuyant sur X, ben, il est content. Il balance sa queue de Wou compressée. Donc voilà, c'est un jeu magnifique. Hein. Voilà, ça c'est le point de passage. C'est là où je m'étais arrêté. Un Wou position. Je n'avancerai pas trop parce que j'ai envie de faire ça, comme j'ai dit, en privé. Vous montre un peu l'étendue de la zone ici, à quoi ça ressemble, mais c'est tout. Regardez comme c'est beau. On va peut-être faire reculer. Enfin, non, non, on va pas enculer, on va reculer. On se calme. Je sais que vous avez rien à dire, mais j'aime bien trouver. Voilà. Alors voilà, petit Wou Wou coquin de Wou Wou coquinou. De Wou Wou. Voilà, en fait, j'ai fait une énigme ici quelque part, mais je vous dirai pas laquelle parce que j'ai la flemme. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'autre zone. Ouais.
Alors, excusez-moi, c'est pour terminer, donc ça avait coupé. Donc pour terminer, voilà, donc à quoi ça ressemble le gameplay. Donc excusez-moi, hein, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, quand j'avais pas compris au début, mais en fait, si vous voulez, quand le minuteur de mon truc s'arrête, ça stoppe automatiquement l'enregistrement. Voilà, ça l'arrête. J'avais pas compris au début. Donc voilà, en fait, c'est pas un problème de tout. J'aurais peut-être pas forcément acheté un nouveau bazar. Donc voilà, ça arrête juste le bazar parce que ben, le minuteur fait que ça stoppe. Je ne savais pas. Donc voilà, j'ai découvert un truc. Je dois pas forcément acheter une nouvelle application. Ça m'arrange. Ça peut aller plus loin que 15 minutes. Je me disais que c'était bizarre aussi. C'est juste que moi, je dois. Ben, en bref, je peux pas utiliser mon enregistreur avec quand je fais les prises son, donc je devrais me débrouiller tout seul de pas dépasser le temps prévu. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça et je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouh de Tutum. Bye bye.